Si vous montrez cette photo à la majorité des Africains, ils ne vont rien trouver d'anormal. Au contraire, ils vont encourager. Cette photo résume parfaitement l'un des principaux problèmes de l'Afrique, l'infantilisation de la femme et des enfants. Les hommes en manque de confiance en soi se gonflent le torse et se font appeler mâles dominants, tandis que les femmes en manque de personnalité s'accrochent sur eux comme des parasites, les empêchant ainsi de vite avancer. Et les enfants, alors qu'ils devraient apprendre à devenir rapidement autonomes, restent sous la charge des parents jusqu'à l'âge de 30 ans, parfois. L'Afrique ira bien plus loin et bien plus vite si la femme descendait du dos de l'homme pour marcher à côté de lui. Ni devant, autorité, ni derrière, soumission, mais à côté de l'homme, complémentarité. Les enfants qui savent marcher doivent descendre du dos des parents pour marcher à côté, autonomie. Tant que les femmes africaines seront sur le dos des hommes, tant que les hommes penseront qu'ils sont supérieurs aux femmes, l'Afrique ne sortira pas la tête de l'eau. Adhérer à la soumission, c'est accepter la dégradation de soi. Harmonie.